donc est passée cette méforme, ce passage à vide dont on m'avait parlé? Il ne va pas me faire croire que le grand Ivan Alexandrovitch écoute les ragots. J'ai jamais vu ça. Une femme? Non. C'est un cadeau de mon cinquième fils. Les quatre autres sont des cuistres. Des acheteurs? Dans le club? Dès qu'on voit un Jap, on croit qu'il achète. Bah, c'est parce que tout le monde est prêt à vendre, tu sais. Non, ceux-là sont venus uniquement pour connaître ton coup de gâchette. Ta renommée a sauvé mon club. Si tu me vends avec, préviens-moi quand même. Je suis membre fondateur. Qu'est-ce qu'il me dit, celui-là? Tiens. Ah, merci. Dis donc, Maroud, le Finlandais, t'imagines qu'il y a un truc dans tes cachots? Ah ben, il a qu'un acheté, c'est en vente libre. Faut mieux se demander pourquoi il a perdu contre toi à Barcelone. Parce que les Français sont toujours les meilleurs. Comme à Austerlitz. Non, parce qu'il prend les pigeons d'argile pour les amants de sa femme. Toi, tu cherches seulement à viser juste. Comme un type qui remplit un contrat. Comme un tueur à gage, quoi. Bah alors, t'as déjà fini? J'ai même eu le temps d'apprendre que j'avais la froideur d'un tueur à gage. C'est amusant, ça. T'es en forme? Ouais. Personne ne m'aura. Ni toi, ni personne. Tu viens vider quelques obus de ton magnum polluant? Pas question, je l'embauche pour m'ouvrir la route jusqu'à mon bureau. N'oublie pas que tu dînes à la maison ce soir. Il y aura un juge et un industriel de la tulipe. Je sortirai mes paillettes et mon collant. Mais si, tu sais, celui qui a les petites fleurs. Pas de coup de fil personnel pendant le service, toi, sinon t'es viré. Monsieur Cassini, il y a un monsieur pour vous. Il attend depuis très longtemps, il a insisté pour vous voir. Tu raccroches pas? Il est entré là. Jean. Connu en me croisant dans la rue? Non. Moi si. À cause de tout ça. T'es suffisamment passé sur les télés du monde entier avec ton boulot. Tu l'as gardé. Merde, quel âge j'en avais cette nuit-là? Aux alentours de 17. Guerrier sans uniforme d'une cause perdue d'avance, j'avais maudit l'OAS, tout en te traînant jusqu'à un toubib. Je m'en suis tiré grâce à toi. Je crois toujours qu'on a eu raison de se séparer. T'aurais quand même pu me donner tes nouvelles. À l'époque, j'avais peur de retomber sur mon père, ou sur le tien. Je haïssais ces deux militaires bornés pour nous avoir intoxiqués avec leur Algérie française. Cette nuit-là, on aurait pu être abattu. Ou finir après devant un peloton d'exécution. Alors j'ai gagné l'étranger. L'Irlande. Eh bien, moi, j'ai bossé. Et puis, je me suis marié. Dis-moi, Jean. J'espère que tu es toujours un ami. Tu n'es pas le fantôme de ces deux gendarmes que nous avons descendus. Et qui reviennent pour foutre ma vie en l'air. J'arrive au bout du chemin, Régis.
Voilà ma réponse à ta question. Et au bout du chemin, il y a un ami. Oxygène. Oui. Moi, je m'inquiétais. Tu sais que nous avons un dîner avec Yvan, Alain et tes Hollandais. Un univers de Tilly. Oh, me dis pas que t'as oublié. Mais non, bien sûr. Écoute, j'ai un imprévu. Donne-moi 20 minutes. Commencez à dîner sans moi. J'arrive. Oui, salut. Tu manges toujours des cachots, Régis. Et moi, je vais mourir. Il me reste qu'une poignée de jours. La chimiothérapie a perdu la guerre contre mon crabe. Sinon, je serais jamais venu déranger tout cela. Les gens, faut lutter. On verra les meilleurs. Je les ai déjà vus. La vie que tu me dois, tu la donneras à ma fille. Elle va avoir 16 ans. Elle s'appelle Irène McCoy, du nom de sa mère. C'est la fille de cette Irlandaise ? Dont nous étions tous amoureux. Oui, c'est elle. Géraldine McCoy. La passion des armes et des révolutions. C'est avec elle que je suis parti en Irlande. Nous avons eu cet enfant. Que j'ai essayé de protéger contre la violence qu'elle héritait de sa mère. Régis, je te demande de continuer à la protéger contre ça. Parce que sa mère était devenue une héroïne de l'armée secrète de l'IRA. J'ai froid. J'en ai marre d'avoir toujours froid. Même en été. Tu sais, ils l'ont abattu les armes à la main. La petite avait 10 ans. Il était dans ce mouvement aussi? Non, pas vraiment. Après, je suis parti à la campagne, dans le sud de l'Angleterre, avec Irène. Je bricolais des voitures anciennes, que je revendais. Jusqu'à mon dernier scanner. C'est le petit hôtel, là. Que sait-elle de moi? Juste que t'es un ami de son père. Un ami de son enfance. Et ta maladie? Tu lui donneras ça. Mais tu viens pas? Oh, moi je suis plus qu'un fait divers. Un inconnu déchiqueté par un train. Jean... Régis Cassini, je suis l'ami de votre père, Jean-Fabien. Il n'est pas là? Je n'ai que ça pour vous. Et toute mon amitié. Il dit que, avec le temps, je serai heureuse sans lui. Des mots dans une lettre. Pourquoi dans une lettre? Parce qu'il n'avait plus la force de vous les dire. Il dit que je n'ai plus que toi maintenant. On ne se connaît même pas. Eh bien, je vous parlerai de lui quand vous n'étiez pas né. Et puis vous me parlez de lui quand je ne le voyais plus. Horace McCoy. Un parent? Ma mère n'avait que mon père. Et moi, je n'ai plus rien. Je veux mourir aussi pour les rejoindre. Ils ne t'attendent pas si tôt. Puis tu aimes la musique, non?
Excusez-moi. Je suis sauvage. Vous n'aurez que des problèmes en vous occupant de moi. Il y a un petit resto dans la rue. On mangerait quelque chose. Ensuite, tu dormirais là. C'est chez toi. Je n'y viens rarement dans la journée pour m'isoler. Ensuite, tu viendrais me voir à l'agence. Ensuite, la vie reviendra te tenir compagnie. Vous avez gagné tout ça? Alors vous savez tirer? Oui et non. Ça dépend des jours. Moi, j'aime bien les armes et les héros. Mais mon père, non, il aime pas ça. Je me trouve moche. Encore plus moche que ça. Et moi, comme une gourde, j'ai mobilisé tout le monde. J'ai ameuté tous les hôpitaux, tous les commissariats de police, et toi, pas un coup de fil? La fille d'un ami. Ouais, c'est seulement ça. La fille d'un ami. Irène McCoy, irlandaise, 16 ans. Le jour va se lever et je dois me contenter d'une raison aussi mince. Et si j'avais une dette à payer? Une lourde dette. C'est de l'argent? C'est seulement de l'argent? Non. Pour toi, ce sera de la patience. Parce que je t'aime et que je n'ai pas envie de te mentir. Maintenant, j'ai besoin d'aller prendre une douche. Tu me donnerais un petit à-compte pour ma patience? Ne sois pas si pressée. Tu la verras dès qu'elle aura les deux pieds sur la terre. Qu'est-ce qu'il est en train de me raconter, là? Pour rester fidèle à son père qui voulait qu'elle apprenne les langues, je lui avais conseillé l'allemand, qui pèserait lourd dans l'avenir de l'Europe. Et on m'avait recommandé cette école, pour elle. Quelqu'un vous attend, peut-être? Non, personne. Pourquoi? Si on buvait quelque chose? C'est encore timide. Ils enseignaient espagnol depuis longtemps, là? Dans cette école? Depuis quelques mois. Avant, j'enseignais le français en Espagne. C'est dur de vivre loin de son pays. Pas pour vous. En Irlande, j'ai plus personne. Mes parents sont morts. J'ai aussi des amis dans le secteur publicité. Si vous voulez, je pourrais vous les présenter. Pourquoi pas? Je suis libre. Je veux plus dépendre des 7 amis de mon père. Surtout, n'en parle à personne. À l'école, ils n'aiment pas les relations personnelles avec les élèves. Je reste sur la Bible. J'y pense. Je dois faire des courses pour mon dîner. Non, Irène, c'est moi qui t'aime. Merci. À demain. À demain. Alors, elle te plaît, ma petite Irlandaise? Exceptionnelle. Mais la famille? Orpheline. Et ni mari, ni amant. T'es vraiment la meilleure. Le scénario, cette fois-ci, ce sera son visage sur un dépliant touristique qui vantera les attraits de l'Irlande en Amérique du Sud. Tu as compris? Mm-hmm. J'ai besoin que ça aille vite. J'ai une urgence aussi. Viens ce soir. On s'amusera avec un couple que tu connais pas. Elle attendait la fin tragique de son père et elle l'encaissa avec une force qui m'étonna. Je trouve.
trouve qu'il faut un certain courage pour se suicider. Elle était belle, ma mère. Oui. Et tu lui ressembles beaucoup. Les créatifs de mon agence virent en cette jeune fille une bergère échappée en ville. Une rareté pour les rêves éphémères de la pub. Et parce que je voulais que la vie s'enracine en elle, j'avais accepté qu'elle entre dans ce tourbillon. À condition de la laisser à l'état brut, sans aucune sophistication. D'ailleurs, où est-elle? Avec Grégoire, où vient-elle? Là-dessus, on entendra même dans la tempête avec Biatal. Non, surtout dans la tempête avec Biatal. On soulage. Ce que j'ai vu de mieux. Oh. Oh. Ça sort pas d'ici, hein? Merde! Un modèle, c'est pas du bétail. Il doit se la faire. C'est un chien! Ma mère l'aurait tué. Et tu n'es pas faite pour ce métier-là, voilà tout. J'aime ce boulot. C'est amusant. C'est que lui qui m'embête. Il a déjà essayé. Pourquoi l'essayer? Ah, peut-être parce que tu es trop belle. Régis, je me sens tellement seule. C'est pas sympa pour vous que j'ai dit ça. Pour la peine, tu seras condamné à un lait grenadine au bord d'une rivière. Au bord d'une rivière? C'est Yvan. Tu as manqué deux entraînements et la compétition approche. Amitié. Liliane, je n'ai pas pu te joindre à ton étude. Ce soir, je ne pourrai pas t'accompagner au théâtre. La situation n'est facile ni pour toi, ni pour moi. Je t'embrasse. Liliane, je n'ai pas pu te joindre à ton étude. Ce soir, je ne pourrai pas t'accompagner au théâtre. Vous ne m'aviez jamais dit que vous connaissiez ma mère. Elle était très jeune. Vous l'aimiez? Elle n'aimait que les causes désespérées. Il n'y a jamais des victoires sans crime. Tout le temps, elle disait ça. Il n'y a ni victoire ni défaite dans une guerre de religion. Ça ne se réglera qu'avec la fin du monde. Quand tu auras des enfants, tu ne penseras plus à la mort. La mort vous fait peur? Non. Je suis bien trop curieux pour ça. J'aurais dû me douter que tu venais pas prendre des nouvelles de ton père. Je t'annonce que je viens de ratisser le Djebel. Et nos troupes l'avaient gagné, cette putain de guerre! On va pas recommencer avec ces conneries. Tu as un ami, un quatre galons comme toi. Dis-lui qu'il a perdu son fils. C'est tout. C'est du civisme. Mais il n'en a plus rien à foutre de la chose terrestre. Il est chez les trappistes. Ah, jolie rose. J'espère que tu penses à quitter ta pimbèche de bonne femme. Die Atmung! Halt die Luft an!
Ah bah oui, bah bien sûr. Bah bien sûr, bah bravo. Génial, hein. Article 1er, it's forbidden to disturb marksmen during the training sessions. Et article 2, il est interdit d'être rousse à ce point-là. Oh, faut pas que j'exagère, hein. Pas bien méchant, tout ça. Pas bien méchant. Je trouve pas, moi. Il l'a présenté à son père. Et puis il l'a planté devant cette voie ferrée. Ça me semble tellement bizarre. Je crois qu'elle est dangereuse. Disons qu'elle est jeune et qu'elle a beaucoup de charme. Dans son agence, il en a vu d'autres. Et ça ne lui compliquait pas la vie. Conclusion ? Conclusion, vous travaillez sur elle. J'ai un pressentiment qui dépasserait loin une histoire de coucherie. Et les photos ? Gardez-les. Il serait déplaisant pour moi qu'il les découvre. À bientôt de vos nouvelles. Oui, c'est Vanier. C'est Sonia. T'as une bonne nouvelle ? La moitié du fric que je te dois. Alors, c'est la moitié d'une bonne nouvelle. Pour le reste, on essaiera ensemble mon nouveau matelas. Beaucoup trop cher pour moi. Salaud. Y a pas que le fric dans la vie. Dans la mienne, si. Vi riscuete, razzo c'è la razza. Ma si vuole sciacquatiste? Les résultats comptant pour le Grand Prix de France sont les suivants. Régis Cassini, France, 598 points. Mais non, mais c'est pas grave, c'est une mauvaise maître. Je n'aime plus cette journée. Excuse-la. C'est Irène, la fille de mon ami. Je voulais en profiter pour vous présenter ma femme, Liliane. Vous savez, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que nous nous reverrons. Je commence à me sentir civilisée. Qu'est-ce que ça devait être ? J'étais si heureuse pour lui. C'est mal de dire ce qu'on pense. Bien pensé, mademoiselle. Pensez. Poussette avant la fessée. Oh là là. Vas-y, prends ton temps maintenant. Hein. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Espèce de sale menteur ! Pas tellement, ma pouliche. Tu l'auras, ton joli voyage. Salope. Ouvre! Ouvre la porte!
Il n'y a pas de problème. Vous l'empaquetez. L'expédiera sans doute cette nuit. Raisonnable. Tu débarques dans sa vie, tu ne connais pas tout. Elle débarque dans ma vie, et je connais tout. Elle est à l'âge des amours cachés. Et puis elle cherche peut-être aussi fortune. Une aventurière, tu dérailles. Elle a disparu depuis avant-hier et je vais porter plainte. Je dois porter plainte. Décidément, tu m'amuses. Porter plainte contre qui? Contre inconnu. Ça existe dans la loi, non? Je vais porter plainte contre inconnu pour enlèvement. Voilà. Tu vas bien? Excuse-moi, je suis pressée, je vais plaider à la troisième, une affaire de droit d'auteur. Je suis à la 17e, on se retrouve plus tard? D'accord, je viens te retrouver. Il a l'air d'avoir les moyens. J'avais raison de dire à mon chevalier de Marie qu'elle cherchait fortune. Ce jour-là, j'ai pas pu les suivre et j'ai jamais revu l'amour. Bon, laissez tomber pour le moment. Qu'elle aille vendre ses charmailleurs. C'est pas mon problème. Alors, m'as-tu sur l'ensemble? Absolument. Si jamais elle refaisait surface, mon mari me le dirait et j'aviserai. Bon, je vous laisse. Je suis entre deux audiences. Et moi, ma petite dame, j'aime pas rester assis entre les chaises. Non, mais tu te fous de la gueule de qui, moi? C'est pas vrai, ça. Tu l'as écouté, le client, moi? Tu l'as écouté? C'est pour le qui, t'as eux? Est-ce que tu l'as écouté, le client? T'as vu Skaïd, dans son petit uniforme de publiciste moderne? Quand on a démarré dans le métier tous les deux, il braillait déjà dans une crèche. Alors, alors. C'est pour la campagne anti-tabac, ça? Oui. Avec le ministre sur le dos qui réclame une idée nouvelle. Et l'autre, toujours à frapper le silex, du style « Le tabac, c'est mauvais pour la santé ». Eh bien, on dessine un briquet en forme de cercueil. Et puis, sous l'image du fumeur, on met la mort en paquet de vin. Ou bien la mort au quotidien. Ou un raccourci pour le cimetière. Le choc, le punch. Voilà, je la tiens, ma campagne. Non, c'est lui qui la tient. Tu laisses le choix du slogan. Il y a maintenant presque 48 heures que la jeune Irlandaise Irene McCoy a disparu. Elle sortait d'une école où elle apprenait l'allemand et n'avait, semble-t-il, à la sortie rendez-vous avec personne. Une plainte contre inconnu vient d'être déposée par M. Régis Cassini, le publiciste d'une renommée internationale. Il a déjà téléphoné 4 fois. Enfin, justement, le voilà. Ils viennent de passer l'annonce, très bonne photo et tout. Là-dedans aussi. Mais rien. Toujours rien. Elle m'a semblé assez fantasque, non? Ben, c'est tellement plus facile. Hein? Et son école? C'est de son école qu'elle a disparu. J'ai mis 2 types sur le coup. Mais qui t'avait recommandé cette école? Des gens très bien. Ah oui? C'est l'école que moins bien. C'est vrai. Une petite provinciale de 15 ans a déjà disparu en sortant de là. Mais on hésite toujours à les soupçonner, tu comprends? D'habitude, ce trafic est réservé aux agences pour danseuses, mannequins et chanteuses sur la pente. Non, enfin, là, moi, je deviens dingue, moi. Cette école pourrie, c'est de ma faute. Non, écoute, aide-moi. Aide-moi, c'est de maman, explique-moi. Qui est-elle pour toi, exactement? Il y a peut-être un indice dans tout ça. Disons que c'est ma fille. T'avais une fille, toi? Non, disons que c'est pareil. Même davantage. Je m'en remettrai jamais. Faut faire vite, très vite, avant que les ordures la démolissent. Ok. Bon, maintenant, on va te rafraîchir les moustaches et les idées. Fais-nous confiance, va. On n'est pas géniaux, mais on travaille. Hein.
Tu m'appelles même la nuit si tu as quelque chose. On la voyait de loin avec sa tignasse. Te retourne pas. Une AX Citroën va se pointer. Et alors? Alors si je te raconte un peu plus, ce sera bon signe. Je pouvais pas deviner que c'était ton beau-frère. Maintenant, tu devines? La vraie Jean. Ma sœur est jalouse de la petite irlandaise. Elle t'engage pour en savoir plus sur leur rapport. C'est mon job, je suis en règle. Sauf que la petite a disparu. Et tu continues à filer Régis Cassini, pourquoi? Une intuition. Je te l'achète? Avec quoi? Avec ta licence de privé. On refilera un coup de bourgeot sur ton passé de flic ripou avant que tu démissionnes. Tu te souviens? Et on sectionnera ta licence, qui ne tenait déjà qu'à un fil. Je t'écoute. T'es tellement pressé, commissaire. C'est devenu une affaire de famille, tu comprends? De famille. Alors tu m'aides? Et je te laisse en dehors de tout ça. Et en plus, je passerai le mot pour que la grande maison te rende des services à l'occasion dans ton boulot. C'est la dernière fois que j'ai revu la rouquine, parole. Villanova dans cette galère. C'est un de nos clients, je peux? Oui. Surtout, t'inquiète pas pour le photographe. Je l'ai déjà oublié. Chiale pas, tu pourrais glisser sur la passerelle. Oh, il a trop neigé là-dessus. C'est l'heure de toucher le pactole, malgré ces petits flicards de merde. Non, c'est Avakian. Quand exactement? Des témoins? Bon, je transmets, merci. Pour la balafre, son histoire tient le coup. Ceux du 18e viennent de confirmer. Il saignait encore en se présentant. Des témoins? Non. Pour le reste, il commence à nous parler de ses avocats. Parmi eux, il y a quand même un ancien ministre. Bon, tu y retournes et tu fais l'imbécile. À 3h du matin. Le risque rend bien avec un bon avocat. Environ 15 ans, si le président te trouve sympa. Mais finalement, tes sources, c'était quoi? Je peux pas en parler, c'est pas le problème. Ah, il a tout prévu, hein. Son agence de tourisme, tout. Mais elle est bidon, son agence de tourisme. Et cette balafre? C'est sûrement la petite. Elle en est capable. C'est quelqu'un, cette petite, tu sais. Oui. Et lui, c'est un super pro. Il avait porté plainte pour agression dans une ruelle du 18e arrondissement. Contre qui? Contre inconnu, comme toi. Plainte contre inconnu. C'est ça. En ce moment, il n'y a plus que des voyous inconnus. Exact. Quant à la prof d'espagnol, elle récite sa leçon. Hein. Ça colle bien, le tourisme et les langues. Ah, bon Dieu, faites-les craquer. La garde à vue, c'est 48 heures. Mais t'as qu'à le faire inculper! Tu m'as dit qu'il avait un dossier pour proxénétisme, ce Villanova. Il est un non-lieu! Un non-lieu! C'est le gérant du club de vacances, entre guillemets, qui a plongé à sa place. Et aujourd'hui, ça recommence. Aucune preuve. Aucune! Aucune! Et on devra les relâcher, hein. Tous les deux. Parce que sur elle, les renseignements sont très bons. Oui? Passez-la moi. C'est Liliane. Ta femme a l'habitude que son mari travaille toute la nuit, mais
Mais toi, tu dis que ton mari n'est pas flic. Pourtant, il a passé toute la nuit dans nos bureaux. Attaché au tuyau du chauffage par des menottes. Presque. On y attacherait plus volontiers les innocents que les coupables. Qu'est-ce que tu dis de ça, toi? Deux kidnappeurs qu'on va relâcher pour pas dépasser la garde à vue. C'est vrai que toi aussi, tu joues avec ce genre de subtilité. Je joue seulement à défendre les droits des citoyens. Mon petit Régis, on ne va pas fabriquer spécialement des lois pour les Irlandais. J'espère que tu vas les filer. Non. Au début, on lâche la bride pour endormir la méfiance du client. Et en cas de méfiance insomniaque, on retrouvera jamais la petite. Ou alors avilie, souillée, torturée peut-être. Alors il met un pied dans l'eau, deux pieds dans l'eau, trois pieds dans l'eau. La comtesse arrive avec son bec de lièvre. Alors elle est embêtée. Alors il fait. Il dit, et il lui mord les couilles. Et alors elle, elle fait, et vous trouvez ça drôle? Non, laisse. Ça sert jamais à rien. Allez. Merci de me libérer. Mais de toute manière, je n'avais rien à me reprocher. Bon, allez, allez. Crois-moi, faut attendre de meilleures cartes. Et repose-toi. Bonjour, monsieur le plaignant. Monsieur le plaignant veut-il les cours privés d'espagnol? Contre Villanova, je vous joue perdant à 100 contre 1. Demain, cette canaille de Villanova sortira par cette porte et il pourra faire passer des frontières à sa balafre. Quand je le regarde, il me semble que je regarde ma mère. On ne doit pas vivre sans une grande passion, une grande cause. Je ne pourrais aimer qu'un héros. Ça me plaît de croire que Régis a du courage. J'ai besoin de ça. D'où vient cette rage qui gronde en moi comme la tempête de mon Irlande du Nord? Il n'y a pas de victoire sans crime. Allô? Liliane? Oui, c'est moi. Ne m'attends pas. Tu iras directement à l'agence? Sans doute, oui. Non. Enfin, je sais pas. Je t'aime.
justement parler de toi et de ton arme spéciale. Vous connaissez Régis Cassini? Nous travaillons pour la revue Armes et Sports. Si on osait, on... Et elle adorerait jeter un œil sur ta merde. On a chacun ses petits secrets, non? Eh ben, d'habitude, il en est fier. C'est bien le calibre d'un fusil longue distance de compétition. Comme cela, partout dans le monde. Non, mais sans chercher si loin, ça pourrait être précisément un de ceux-là. D'après la balistique, le tireur était à la hauteur d'un toit, à environ 250 mètres. Ces armes ne sortent jamais d'ici. Tu penses à quoi? Ou plutôt, à qui? Oui. Ça va, annonce la couleur. Lira? L'AFP a repris l'information? C'est pas un canular? Non, non. Et ça concorde aussi avec Villanova qui nous balance un SOS. Bon, j'arrive. Lira serait dans le coup. C'est vrai qu'elle est irlandaise. Non, ça va, ça va, ça va. Brigade criminelle. Et vous? DST. Allez-y. Ah bah dis donc, il y aurait de quoi être jaloux des effectifs de la surveillance du territoire, hein. J'ai encore 4 hommes dans le hall, et 3 dans un véhicule. Oui. Il partira pas en courant avec les 2 genoux éclatés, hein, c'est mon avis. Alors, à ma première visite, tu nous as dit que... on t'avait tiré dessus par méprise. Et aujourd'hui, tu me racontes quoi? Aujourd'hui, ils vont l'achever. Et nous, on doit les coincer. Avant ou après? On s'en fout. On veut qu'on les coince. Une branche d'Elira sur notre territoire, c'est pas supportable. T'as entendu? Même de luxe, ta peau de harangue les intéresse pas. Hein. Et là-dessus, c'est un avertissement. C'est pas des gentils, tu sais. Où tu aides la crime à retrouver l'Irlandaise. Où tu y passes. Mais mon Dieu, c'est dingue cette histoire, commissaire. C'est quoi? C'est simplement la fille de Géraldine McCoy. Une ex-héroïne d'Elira. De la dynamite transformée en martyr. Et les amis qui honorent son souvenir. Nous ne te lâchons pas, Villanova. Sauf si je retrouve la petite. Soyons clairs, la petite, c'est pas notre problème. Il y a une fraction de cette armée secrète structurée ici. Il nous la faut. Il servira d'appât. T'as entendu encore, là? T'es devenu une chèvre attachée à un piquet en bordure de jungle. Hein? Commissaire, sortez-moi de là. Le mieux, ce serait pas de sortir, mais d'entrer, en prison, par exemple. C'est la meilleure des planques. Vous allez vous faire foutre avec votre partie de chasse. Je veux vivre, moi. Vivre! En cabane, d'abord. Pendant 10 ou 15 ans. Non, on plaidera pour lui, il fera très peu. Moi, je suis d'accord, hein, commissaire. Tout ce que vous voudrez. Eh bien, prenez vos responsabilités. J'espère ne jamais vous revoir, commissaire. Un cargo de la Brax, pavillon panaméen. Il est parti à une semaine de Nice pour le Panama. San Carlos avec l'Irlandaise et 2 autres filles. C'est pour un bordel? C'est un genre comme ça. Et l'adresse là-bas? Ça, je connais pas. C'est des gros. Affilié au cartel. Cargo. La Brax. J'ai peur. J'ai tellement peur. T'as quel âge, toi? 14 ans. Vous avez vu? On vous a bien traité. On est juste des convoyeurs. On n'a pas de haine. Une fois arrivé, un bon conseil. Obéissez.
Bientôt, tu vas tomber sur des dresseurs professionnels. Je les tuerai. Interpol a travaillé vite. Hein. Ils sont mis en rapport avec le chef de la police de San Carlos, lieutenant Valdez. Un homme très efficace, paraît-il. Il a promis de régler le problème. Alors voilà, c'est fini. La petite va revenir. Tiens, Alain. Pour un petit cachou pour ton talent de flic. Ah non, 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 non. Non, 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 ça me file des erreurs. Non, je t'assure. Tiens. Non, vraiment. Je sais pas comment tu fais, toi. Mais si tu veux vraiment me remercier, ne me laisse pas mourir idiot avec cette histoire de Lyra. Comprends-moi. Tu étais le meilleur ami de son père. Alors tu connaissais peut-être aussi sa mère. Et aussi quelques-uns de leurs amis. Tu peux me jurer sur l'honneur que tu ne t'es pas compromis avec ces gens-là? Tu m'as rendu le sommeil. Allez, un poil à gauche, le panne. Encore. Ouais, ouais, ouais. C'est bon. Ok, ça va pour moi. Bon, les chiens, eh, debout les chiens. Faut qu'ils soient debout les chiens, quelqu'un s'en occupe là. Bon, tout le monde est prêt? Ça baigne? Ouais? Bon, je te raconte. La bagnole s'arrête près de la fille, seule mal jolie, etc. Non, elle a les trois molosses. Pas de problème, on les met dans le coffre. Le dragueur descend et dit avant d'ouvrir le coffre, mais j'y pense, il y a déjà quelqu'un. Et hop, il ouvre le coffre. Génial, hein? Because la contenance du coffre. Si j'avais passé la commande à Spielberg, ton éléphant, ce serait une montgolfière et la voiture s'élèverait dans le ciel avec les trois clébards et la fille. Belle journée, monsieur Cassini. On se connaît? J'ai des photos pour vous. Veuillez ça avec mon agence. Je travaille pas dans la pub. Et pour le compte de qui? Le mien. Travaillez comme ça, vous, gratuitement. Vous surveillez les gens sans savoir. Je marche à l'intuition. J'ajouterai que j'ai donné Villanova aux flics. Merci pour eux. Paraîtrait que l'IRA l'a allumé. Paraîtrait, oui. À 300 mètres, le boulot d'un champion de tir. D'habitude, l'IRA fonctionne au bazooka. Vous savez ce que c'est que les habitudes? Excusez-moi, je dois y aller. Vous ne couchez même pas avec. Alors pourquoi tout ça? Je regardais les arbres et ça faisait des maisons. Et rien que pour elle, sur des terres stériles, se levait du blé et des femmes enceintes. Qu'est-ce qu'un type comme vous peut comprendre à tout ça? Un type comme moi, plus on le paye, plus il comprend. À très bientôt, monsieur Cassini. A mí me han pagado de antemano. Tú estás pagado todo el año. ¿Y no quieres que se haga la entrega? Tengo Interpol a costa desde Francia. Alguien ha hablado, lo saben todo. Escucha, Valdez. Debemos respetar el trato. Si no, los matarán. Ya los has visto trabajar. Sí, sí. Pero he pensado que tú me ayudarías. Tienen demasiado olfato. Disparan demasiado rápido. Lo siento mucho, amigo. Pero hay que seguir adelante. En apprenant qu'une fouille sur le cargo Labrax n'avait soi-disant rien donné, Villanova accusa publiquement le fameux lieutenant Valdez de corruption. Dans l'immédiat, l'action des journalistes ne changea absolument rien. Pour la justice panaméenne, le témoignage douteux d'un souteneur ne suffisait pas à incriminer un de leurs chefs de police. Mais la justice panaméenne se refusa à regarder la honte en face. Et moi, aujourd'hui, j'étais venu la regarder, cette honte, au travers d'un de leurs attachés d'ambassade qui jouait au golf de Fontainebleau le mardi et le vendredi de 12h à 15h, avec une ex-Miss France et deux gardes du corps tellement il avait la conscience tranquille. Thank you.
Quant à l'ambassadeur de ce même pays, il ne se détendait pas sur un terrain de golf, mais dans le luxe de sa résidence parisienne, bercée par la tiédeur des soirées de printemps. Debout. Dis bonjour à nos nouvelles amies. Hello. Bonjour. Guten Tag. Asseyez-vous. Et vous aussi. Regardez comment cette jeune personne est jolie. J'espère que vous n'en serez pas jalouse pendant nos petites soirées. Ici, nous vous apprendons de meilleures manières. Nos visiteurs n'apprécient que les jeunes filles raffinées et prévenantes. Amenez-la. Vale, vale, vale. Quedamos en relación y sigues gozando, ¿eh? Hola. Sí. Tiene la impresión que en su trabajo lo miran curiosamente. ¿Se habría vuelto un poco frágil? No pienso. Me encargo de hacerlo tranquilizar. Gracias. De nada. ¡Vamos!
une photo à 200 millions de centimes. L'autre, c'était juste l'épaule. Lui, le cœur a éclaté. Je regrette. Il courait avec ce truc à la main, on a pris ça pour une arme. Oh, j'ai cru aussi que c'était lui qui venait tirer sur monsieur Almeto. Elle nous a quand même tiré dessus avec ça. Bonjour. Bonjour. Malheureusement, on se revoit. Lui, c'est Robert Vanier. Un privé minable. Spécialisé dans l'adultère. Et l'autre, le tireur. On l'a vu que de dos. Il avait une moto de l'autre côté du mur. Ouvrez votre copain demain matin à 9h à mon bureau. Alors maintenant, on va pouvoir développer la pellicule d'urgence. Mais c'est une très bonne idée, mais on l'a déjà eu. Déjà, tiens, tu dis merci au monsieur. Thank you.
Foutu pour foutu. Si, soy yo. Almetto, encore. Vierge. La fouille était plus heureuse. Qu'est-ce que vous venez foutre ici, vous? Mettre des scellés sur la porte. Il était sur les lieux avec un appareil photo, et la fouille de ces dossiers ne vous intéresse pas. Non, parce que c'était pas le genre à se confier à des dossiers. Vous connaissiez, lui? Par principe, on connaît tous les privés. Et sur ce magnéto, il n'y avait rien non plus? Et non, rien. Les mémoires d'un baiseur. Oui? Oui, c'est moi, oui. Ah, nom de Dieu. Bon, merci. Hein. L'ambassadeur vient d'être blessé d'une balle dans l'épaule dans le jardin de sa résidence. On vous fera coller au placard. Pour ne pas m'avoir écouté le premier jour. Bien sûr, bien sûr. Monsieur, tu me fermes bien ça, hein. C'est clair. Passons maintenant en direct avec l'hôpital de Neuilly où nous trouvons Monsieur l'ambassadeur du Panama, Pedro Miguel. Il vient d'être admis après l'attentat dont il a été victime. Il se trouve précisément en compagnie de Monsieur Alain Moreau, qui est le commissaire de la brigade criminelle qui lui a suivi toute cette affaire de bout en bout. Monsieur l'ambassadeur. Merci de me permettre de m'exprimer. Je tiens d'abord à faire savoir que la justice de mon pays n'était nullement complice de l'ignoble gang coupable de séquestrer des jeunes filles dans un but inavouable. La corruption du lieutenant Valdez n'était qu'un cas isolé, comme dans toutes les polices du monde. Actuellement, des brigades spéciales sont lancées dans des opérations pour traquer les kidnappeurs. Merci, monsieur l'ambassadeur, pour ce témoignage spontané. Nous reviendrons sur tout. Tu sais, pour ce policier privé abattu sur le terrain de golf, il n'y a que nous deux. Il n'y a que nous deux. J'ai vu la télé. Alors t'en sais autant que moi. Tu crois un résultat pour la petite? Il suffisait qu'ils mettent tout en branle. Il suffisait, oui. Reste. Ça concerne le problème. Passez-moi Ivan Alexandrovitch. Allô? Ivan, c'est Moreau. Dis-moi, tu peux aller voir si par hasard il te manquerait pas un fusil longue distance dans ton atelier? Il ne quitte pas, je vais voir. Ça s'imposait, tu trouves pas? Ça s'imposait, oui. Allô? Non, il manque rien. Toutes les armes sont là. Pourquoi? Ah oui, c'est pour cette affaire-là. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que si tu regardes les choses du sommet d'une montagne ou depuis le soupirail d'une cave, t'as pas la même vision. Merci. Ce sera tout? Ah non.
Embrasse ma petite sœur pour moi. On y va. Oh, Régine, si on partait... Si on changeait de vie... Partir, oui. Je passais par hasard, j'ai vu de la lumière. Je t'attendais. Ça va? La chance a toujours la couleur de sa robe. Alors vous ne pensez pas qu'à nous déshabiller? Pourquoi es-tu venu exactement? Parce que j'ai pensé qu'on aurait dû se parler davantage. Dans la campagne de Leningrad, les barbares ont fait brûler vifs mes grands-parents, après avoir égorgé leurs chevaux. Certains souvenirs s'alourdissent toujours avec le temps. Pour le présent n'est pas léger non plus. Non, mais je n'ai pas perdu l'espoir. Parce qu'aujourd'hui, dans cette ville, il y a un bon tireur qui, seul contre des barbares, essaie de sauver une jeune fille. Et rien n'est perdu quand un homme peut faire ça. Un homme seul? C'est impossible. Et puis il ira à tout revendiquer. Non, Ivan veut dire que sur une gâchette, il ne peut y avoir qu'un seul doigt. C'est bien ça? Et aussi que je serais fier d'être l'ami de cet homme-là. Bon, il est fatigué. Je ne sais pas pourquoi je suis venu si tard. Allez, je vous laisse. Non. Reste encore un peu. Ta visite m'a fait beaucoup de bien. Deux balles. Une pour toi, une pour moi. Réfléchissez. Avec la vie, tout s'arrange. Ma mère est morte, les armes à la main. On ne soumet jamais une McCoy. Alors, pour qui? C'est à sa voix là. Attention, attention. Policía marítima. Las armas al suelo. Vamos a tirar a vista. Última vez. Las armas al suelo. Thank you.
Un petit entraînement matinal pour monsieur le membre fondateur? Non. Un dernier regard. Pour moi, le tir, c'est fini. Je l'ai su hier soir quand t'es venu à la maison. Alors, j'aurais pas dû venir. On croit qu'on peut tout porter tout seul, et puis... Tu trouveras le fusil qui manque dans le cagibi à poubelle. Tu sais, t'as rien à craindre. Tu m'as rien dit. C'est pas le problème. J'avais une dette à payer, je la dois toujours. Oui, mais écoute quand même. Venez vite, on parle de la petite à la télévision. Quelques jeunes filles séquestrées ont été délivrées, mais deux d'entre elles ont été abattues par les gangsters. Irène McCoy, la jeune Irlandaise, ils l'ont tué. Sur cet écran, si t'as rien compris, la photo dans le coin, ils l'ont tué. Cool. Membre de l'ambassade du Panama, Irène McCoy arrivera sur notre territoire par avion militaire. Elle est rousse, et alors? C'est pas une pub à toi, ça? Si. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, tous les deux? Nous, un petit voyage de noces. Ben, ça tombe bien, j'ai un cadeau de mariage pour vous. Et en plus, elle est vide. Dis donc, il ne s'est pas ruiné. Merci. Elle restera comme un caillou dans ma mémoire. Bienvenue, Irène. Oui, la maison vous attend. Merci. Ils m'ont dit qu'Ilera m'avait aidée. J'ai rêvé que ce soit vous, Régis. C'est vous, n'est-ce pas? Non. Dommage. Je dois mettre des fleurs sur la tombe de ma mère. Son souvenir me donnait le courage là-bas. Tu mettras ça avec les fleurs. De la part d'un petit publiciste. Il a perdu un bras? Ouais. Lui aussi, il a fait toutes les guerres.